Salut, c'est Olympe 73 pour la suite du tour de la FDJ, donc dans l'étape Blagnac-Brive. Donc dans la première section, j'ai pris Pinot pour lui donner ses 3 bananes. Ensuite, j'ai pris Otarovic pour le sprint intermédiaire que j'ai remporté. Et puis ensuite, il y a des échappés qui sont partis. J'ai vu le peloton qui s'arrêtait net. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, cette échappée, elle va aller au bout. Donc j'ai fait le forcing pour rattraper notre ami Grabsch qui est là. Bon, sauf que le problème, c'est qu'il y avait quand même devant O'Grady, Nuyens et Langeveld que j'ai pas pu rattraper à cause de ces bosses là et du fait que Udorovic il est quand même pas terrible dans les bosses. Donc dans la simulation, c'est revenu à 12 secondes, hein, c'est pas passé loin. Bon, enfin bon, je pense que dans tous les cas, il m'aurait semé dans la petite côte qu'il y a eu juste avant là. Donc ben je vais voilà, c'est pour ça que la vidéo va être super courte, hein. Je vous montre que l'arrivée parce que sinon c'était super chiant. Donc je vais finir quatrième, donc je vais marquer des points plus le sprint intermédiaire. Donc pour le maillot vert, c'est tout bénef. Je marque, même si je gagne pas l'étape, je remporterai toujours plus de points que Sagan et Cavendish. Donc voilà, j'ai juste à pas déconner pour pas me faire avoir par Grabsch. Mais bon, j'ai ma barre rouge qui est à fond. On est à 3 km de l'arrivée. Nuyens va gagner, je pense. Ah, quoique O'Grady au sprint. Ah, Nuyens, il était bien parti et il s'est fait reprendre par O'Grady quand même. Assez étonnant. Bon, par contre, il faut que je veille à ce que Pinot soit bien placé dans le peloton. Mais bon, ça a l'air d'être le cas. Je vais les laisser comme ça. Là, faites ce que vous voulez, les mecs. Ouais, je pense pas qu'il y ait de soucis. Et voilà, victoire de Grady au sprint. Devant Nuyens. Troisième, Langeveld. Dans quelques secondes. Et ensuite, au sprint, entre Utarovic et Grabsch. Ça va être un régal, hein. Asseyez-vous bien, confortablement. Ça va être le sprint du siècle. Voilà, 1,7. Je vais quand même le laisser passer, hein. On va la jouer quand même prudent. 1,4 km. Ça descend. 900 mètres, c'est un sprint en montée quand même, hein. Allez, on va accélérer un petit coup. 700 mètres. Comment il va me la jouer, Grabsch? Comment il va me la jouer? 500 mètres, je me mets à fond. Ah ouais, il est quand même bien mort, le garçon. Il est complètement cuit. Donc voilà, une quatrième place facilement acquise, on va dire. Et donc, on va prier pour qu'il n'y ait pas de soucis dans le peloton. Sachant que ouais, le peloton il va finir à 20 minutes en gros. Je sais plus comment ça rapporte. Là, je pense que c'est une étape vallonnée, ça. Donc, ça doit pas être 45 points la victoire là au maillot vert. Ça doit être 30, je crois. Donc, ça doit être quelque chose comme 30, 25, 20. 10. Ça doit marquer 18 points. Utarovic plus les 20 du sprint intermédiaire, ça doit faire quelque chose comme 38 points. Cavendish, Sagan, voilà, ils font 8 et 10. Donc, ben, ils vont marquer. 10 points chaque année, 10 points, quelque chose comme ça, 10-12 points. Donc je reprends quand même 26 plus les 10 que j'avais. Ouais, j'ai une trentaine de points d'avance,
Donc bah, il suffira sur les champs de marquer quelques points. Hein. On essaiera de gagner évidemment, mais je pense qu'une place dans les 5 premiers sera suffisante pour le maillot vert. Bon, si les derniers veulent bien arriver, voilà. Donc à 14h39, il n'y a plus qu'à prier pour que y ait Pinot et puis tout ira bien. Pas qu'il y ait de raison. Hein. Tout le monde était en récupération, ça n'a pas dû attaquer bien fort. Bonnet est là, donc si Bonnet est là, tout le monde est là. Voilà. C'est pas gentil pour Bonnet, mais c'est vrai qu'il est un peu limité aussi dans la plaine, un petit peu comme Outarovitch. Hein. Et puis dès que ça monte un peu aussi, pareil. Bon, tout le monde est à 14h39, sauf mes deux petits équipiers là qui ont réussi à finir à 1h11. Ouais. Bon, sans commentaire. Alors, Montagne, il n'y avait rien. Spring, donc Utarovic, il fait 46 points, carrément. Et donc, Sagan 25, qui lui remet 21 points dans la vue. Là, il se passe rien, là non plus. Au général, on est toujours 6e. Au classement par équipe, à 1h30 de la Sky. Pinot, 1 heure d'avance sur Taramaï pour le maillot blanc. Utarovic, donc, maintenant, il a 37 points d'avance, voilà. Donc c'est clair que c'est bien parti. Pinot s'est fait pour le maillot à pois avec 70 points, 73 points d'avance sur Sorensen. Et au maillot jaune, 3 minutes 09 sur Sanchez et 5-16 sur Voeckler, 5-56 sur Froome et 9-53 sur Valverde. Voilà pour le top 5. Donc on se retrouve pour le contre-la-montre et la décision finale. Merci de suivre et à bientôt. Ciao, ciao.